Bonjour, mesdames, messieurs, Martin Clavé-Bédard, Carl Sanson pour La Florida le Podcast, émission 13 maintenant déjà. Et nous, sommes, euh, nous enregistrons trois épisodes en date du 10 avril 2024, début du printemps. Comment ça va, Carl ça, ça, ça va, va bien, de bonne humeur. On fait un petit blitz. Oui, un petit blitz de trois épisodes aujourd'hui. Oui. Euh, parce que. Je pars. Tu... Un jour au nord, tu retournes au nord. Oui, exactement. Tu retournes on voir part. les sapins. Oui, alors on se parle, on est le 10 avril, on est le mercredi soir, puis j'ai l'habitude, pour une raison que je sais pas moi-même, de partir la nuit de mercredi à jeudi. Il y en a beaucoup qui font ça, hein, qui choisissent de, 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 de monter dans les périodes qui sont plus près de la fin de semaine ou au début de la fin de semaine. Puis il y a toujours un débat sur les portails de snowbirds québécois, à savoir si c'est mieux de partir la semaine ou la, la fin de semaine. Alors chacun a sa façon, puis je pense qu'il n'y a pas de mauvaise façon. Moi, j'étais un gars de fin de semaine. Ah oui, absolument. Ouais. Mais tu commences à ton départ la fin de semaine ou tu commences le jeudi ou vendredi, puis souvent je partais euh, dépendant, dépendant du chemin que je prenais. Oui. Puis dépendant qu'est-ce que je fais. Donc, toi en ce moment, ton focus c'est que tu pars. On va dire Fort Lauderdale. Oui. Puis tu montes vers le nord. Ouais. Donc, tu peux partir. Euh, mettons que tu pourrais partir un vendredi. Oui. Parce que quand tu tombes dans la région de Washington et autres, tu tombes un samedi. Oui, ans, oui, oui, oui. Quand tu pars du Québec, c'est différent parce que la ah, grosse oui. partie de trafic, c'est, euh, mettons, de New York, oui. aller jusqu'à justement Washington, D.C., passer un peu, mm -hmm. Richmond. Oui. Mais euh, quand tu passes Washington, Fredericksburg, en descendant, quand tu es rendu Fredericksburg, ça va bien, il y a moins de trafic, moins de jams, tout ça. Fait que tu essaies de timer autant du, quand tu pars du nord au sud ou du sud au nord, tu t'aimes par ça. Toi, tu es correct pour monter, mais je ne sais pas. En tout cas, tu nous expliqueras ça. Comment tu vas t'aimer comment tu vas faire ça? Il y a, un, il y, a, il y a à peu près deux routes que les gens prennent. Mm. Euh, la 95 ou la 81, à un moment donné, qui est la route des camionneurs oui. Hein? Oui. Euh, dans les montagnes, oui. West Virginia, tout ça, ce coin-là. Euh, les gens, le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de vannes. Il y a oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup de camions. Euh, puis l'hiver. Il y a de la neige il y a de la... par secteur. Ah, et, euh, tu tombes en montagne, là, dans les appalaches, tout ça, puis tu peux, tu peux manger de la chenoute pas ouais, mal, ouais, euh, ouais. autant descendant en descendant qu'en montant. Fait que je ne suis pas un fan, moi, vraiment de la 81. Souvent, il va neiger dans 81, puis il va mouiller sa 95. Ouais. Euh, de la pluie, il n'y a pas de problème. Tu mets du Raynex en masse. Là, oui, oui, oui. Tu n'as même, <laughs> même pas besoin de mettre le wiper. Tu même pas besoin. Ça jour. coule! Même pas besoin, tu mets du liquide Lave Glass Rain-X. Ah oui? Tu plus besoin de l'appliquer. OK, je savais pas. Il y en vend ici beaucoup. Okay. Tu mets le liquide Lave Glass Rain-X, qui est une pièce de plus qu'un liquide Lave Glass normal, by okay. the way. Puis si, il est appliqué automatiquement. Hein, oui, j'ai découvert ça il y a le temps, moi aussi. Okay. Fait que si tu le sais, comment il tombe des gros orages, fait que quand tu roules à une certaine vitesse, l'eau revole déjà, tu n'as même pas besoin de mettre les wipers à moitié. Mm -hmm. C'est comme une cire. Ben, c'est une cire. Ouais. C'est une cire que là-dessus. Ça, c'est un truc. C'est un petit truc de voyage avec votre auto. Euh, fait frapper de la grosse pluie, faisait travailler de la chenoute. Euh, à un moment donné, c est, c est, on parle que c'est une durée, dépendant des, des conducteurs, entre 24 et 30 heures, normalement, dépendant ouais. où ce que tu pars du Québec. C'est un bon 24-30 heures. Puis, euh, il y a différents rythmes. Il y a des gens qui conduisent à différentes vitesses. Euh, tu vas sûrement utiliser le Waze en montant. Euh, ce pas prévu parce que je, je respecte les limites et je m'adapte par état. Je okay. n'ai pas j'ai pas, de misère avec ça, mais quelqu'un qui euh, quel le pied pesant, effectivement, tu es toujours mieux d'avoir Waze. Là. Moi, moi je suis sur le Waze. Ouais. Waze, parce que le Waze, Martin, te donne, euh, si un accident, ouais. il y a un traffic jam ou n'importe quoi, va te donner la route à bifurquer mm -hmm. tout le temps. Ils vont expliquer c'est quoi, tu es capable de voir, tu es capable de voir la distance parce que d'un fois, tu arrives, à 95, puis euh, ça peut être jam-pack pour un 5000 6000 6 000, 10 000. Ouais, ouais. Ouais. Euh, moi, j'habite dans la région de Vero Beach. Puis à Palm Bay, qui est au nord, la semaine passée. Palm Bay. Palm Bay, qui est juste au sud de Melbourne, oui. les gens le connaissent plus. Il y a un gars qui s'est tiré en bas de la passerelle ça 95. Il shit. Ça peut arriver n'importe où. Là. Ben, oui. le, le trafic a été fermé pendant un heure de temps. Donc la route bifurquait. Oui. Fait, moi, je l'ai entendu à radio. Okay. Puis j'ai vu des gens sur Facebook dans ce coin-là qui l'ont commenté. Mm -hmm. euh, puis ça, écoute, ça a fait un jam-pack sur une dizaine de mille. Là, Mais parce ton que Waze, trafic, tu l'avais pas mis? Moi, je l'ai pas entendu. Je n'étais pas sur Waze. Je ne voyageais pas cette journée-là. Je l'ai entendu. Mais je te donne un exemple oui. que la 95 était fermée. Mais si tu étais sur Waze, les gens ont tout vu et ça bifurquait avant. Là. Mais arrête-moi si je me trompe. Le GPS de ton auto ne verra pas l'accident, mais le GPS de ton téléphone va le voir. Il va te faire bifurquer. Ouais, ben, tu peux te plugger sur le GPS de ton téléphone aussi. Oui, exact, ben, oui. exact. Mais sur euh, MapQuest, Google Maps, oh, oui, whatever, puis, euh... ça, revient, ça, revient, ça revient pareil. Mm -hmm. Mais j'aime Waze, ouais. parce que de mémoire, c'est Google Maps qui a acheté Waze, anyway, okay. c'est Merge ensemble, okay. Okay. c'est la en même, en même patente, là. sauf que tu sais qu'est-ce qui se passe, ils vont mettre des petites polices, un hein, camion de remorqueur, ils vont wow, mettre ouais. ci, ils vont mettre ça, fait que ça, donne, ça donne un coup de main, des trappes à police, il y a ouais. des polices là, les gens s'avertissent, n'importe quoi, parce qu'ici on s'entend, quand tu pars de la Floride, à part quand tu arrives dans le coin de Jacksonville, mm -hmm. au limites de la Georgie, la Georgie, la Caroline du Sud, la Caroline du Nord, euh, les gens roulent facilement à 140 km/h. Bon, Moi, j'allais dire 130 euh, normal. 100, des fois, tu te fais pousser dans le derrière. Oh, oui. Bien <laughs> ici, ici, à 100, 150, tu te fais pousser dans le derrière. Ici, ah, c'est à 95, c'est épouvantable. C'est la ça folie. C'est la folie. En tout cas, Waze est un outil, d'après moi, que tout le monde devrait avoir mmh. automatiquement dans le retour. Vous mettez votre cellulaire, vous mettez sur du Waze. C'est une assurance. Une poli un Waze est une police d'assurance. Ouais. Tu l'utilises, tu ne l'utilises pas. Il y en a, comme tu as dit, juste Google Maps, mmh. où le monde met d'autres choses. C'est leur décision à eux autres. Fait que toi, tu passes cette nuit. Moi, je passe cette nuit vers 3h30 du matin. Euh, on veut éviter le trafic. On veut arriver avant le trafic de West Palm Beach. On monte en haut, on veut arriver tout de suite après le trafic de Jacksonville, même si on le contourne par la 2,95. 2,95, oui. Puis on monte ça, rendu après, tu as deux heures de Géorgie à peu près. Qu'on appelle, qu appelle le Beltway. Le Beltway. Oui. Okay. Quand vous descendez de Québec, descendez par ici. Quand vous arrivez avant Jacksonville, c'est à gauche. Mm -hmm. La sortie est à droite, elle passe au-dessus de l'autoroute. En fait, ça s'en va vers on la va, mer. On s'en va vers la mer, exactement, exact. vers exact. le port de Jacksonville qu'on voit à gauche. Ça, c'est la 295, c'est le Beltway, c'est la route à prendre. Ouais. Quand vous remontez tout de suite après Saint-Augustin, pas longtemps après, vous tournez à droite, puis vous prenez la 295 pour sortir de la jonction de la 10 et de la 95. Mm. Puis quand tu passes dans le centre, pas dans le centre-ville, mais dans la ville de Jacksonville, les ponts, tout ça les affaires, qui peut avoir un track jam, de, un, 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 un jam. Dans la journée. Fait que le Beltway, tu continues à rouler à 80 000 à l'heure, 85 000 à l'heure. Oui. c'est large. 140, hein? facile. Oh, oui. Puis il y a eu d'immenses travaux dans les dernières années d'élargissement, je ah, pense. c'est fanta fantastique. La, la 2,95 Beltway, c'est fantastique. L'autre grosse que tu vas avoir après pour en parler, oui. c'est euh, à Richmond. Oui. En Virginie, C'est la même oui. chose. Tu fais le contour par Richmond. Tu ça. s'appelle comment? C'est quoi le, le... De mémoire, je crois, c'est la 495. Quelque ouais, chose 395, 495. La... Mais c'est facile. Vous le voyez sur sa map. Il vous offre tout de suite d'aller à droite mm. ou à gauche, dépendant de qu ce que vous faites, du sud au nord, du nord au sud. Mm -hmm. Mais euh, vous prenez cette voie-là. Vous revenez tout de suite à 95 après. Ouais. C'est juste que vous gardez votre momentum. Vous allez peut-être faire un 3-4 000, 000 de plus en distance. Mm -hmm. Mais vous gardez votre momentum, puis il n'y a à peu près jamais de traffic jam là-dessus. Non. Puis euh, c'est justement quand euh, je prends des voies d'évitement ou des voies de contournement comme ça que je me mets à céduler un dodo après l'évitement donc après la grosse ville. OK. À ce moment-là, je me rends à un hôtel pour être capable, le lendemain matin, de partir peu importe l'heure. Es-tu genre de gars, toi, qui... Euh, Est-ce que tu as des animaux avec toi? Non, je n'ai pas d'animaux de compagnie. Okay. Tu pas d'animaux de compagnie. J'ai choisi de ne pas avoir d'animaux de compagnie. Ah, parfait. J'en ai eu. OK, tu en <laughs> as déjà eu. <laughs> dans... okay. Mais je n'ai pas, pas voyagé en ici, Floride. Là, tu pars, mais okay, ici, tu pars, tu n'as pas de chien, tu n'as pas de chat avec non, toi. Non, non. Est-ce que tu est as déjà en tête un endroit? Est-ce que tu réserves déjà ton hôtel quand du tu pars? Du tout. Du tout, dans mon okay. cas, du tout. Parce, parce qu'il y que, en a qui le font. Hein? Oui. Il y en a qui se disent, Il ah, okay. y en a qui arrêtent toujours aux mêmes places à tous les ans, peu ouais. importe ça, quel ça, jour Moi, pour, qu moi, pour, moi pour, ça, c'est pas mon style non plus parce qu'on ouais. sait jamais qu'est-ce qui peut arriver sur la route. Là. Sauf qu'on s'est toutes fait avoir une fois, avoir réservé, pas être capable de se rendre. ou de, de dit ouais. j'aurais dû continuer Jamais, jamais, jamais. Moi, quand j'ai du gaz, je veux continuer le soir un peu. Oui. Quand j'ai du gaz, ah, c'est de l'énergie, donc l'énergie, tu sais et là, je veux continuer un petit bout encore. C'est pour ça que je ne réserve pas d'avance, mais on s'est tout fait avoir avec pas d'hôtel disponible avant. Je ne sais pas comment. Quand vous êtes fatigué, il y en vend au Canada. Là. Vous avez juste à prendre une Celsius. Ah oui, oui, oui c'est ça, la, la, la boisson énergisante. Là. Oui, puis c'est oui, plus qu'une boisson énergisante. Il y a beaucoup, beaucoup plus de choses dans, dans une Celsius. C'est pas une Red Bull. Ce n'est ouais. pas une Monster, ce pas une Red Bull, ce pas une Rockstar. Okay. Une Celsius, c'est mieux pour toi. De, dedans, sauf que moi, je ne suis pas un gars qui prend du café. Je prends pas okay. de café du tout. Du tout. J'en prends pour toi, fait que... <laughs> fait que... Euh, <laughs> <Intra -veineux>, direct. <rire> <rire> fait que, tu sais, moi, mettons, quand tu vas arriver, puis te, tu t'endors un petit peu, tu bois une tu t'es bon pour un 3-4 heures, là, pour... Mais pour, Celsius, pour ça s'appelle vraiment Celsius, ouais, et c'est fabriqué ici, À hein? Beaucaraton. À Ça fait ouais. comme pas longtemps, cinq ans que ça existe? Ah, euh, plus que... Non, 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 plus que ça. ça okay. De mémoire, c'est depuis 2008. Okay. Mais ça l'a donné un boom dernièrement parce que... Euh, euh, un, ça vient de rentrer au Canada, puis deux, je te dirais, dans les cinq dernières années ici, ça l'a vraiment explosé. Okay. Euh, Celsius, puis c'est un, un bon produit. Euh, je veux dire, Celsius, en ce moment, ils sont rendus commentitaires même dans NHL. Ah oui? Là, oui. OK, oui. Okay. OK. Au Panthers, sur le bord des bandes, c'est marqué Tempo Celsius. probablement aussi. Probablement, sont un peu partout. Ouais. Euh, mais il euh, euh, y en a partout. Il y en a tout dans tous les dépanneurs. C'est rendu comme la Red Bull, la Monster, il y en a partout. C'est un petit truc qu'on donne, vous conduisez vous endormez en mm -hmm. un peu, une cercheuse froide, vous clashez ça. Tu... Donc, toi, tu ne réserves pas ton hôtel. Je ne réserve pas d'hôtel du tout d'avance. Euh, mais si tu réserves un hôtel, ouais. comment tu fonctionnes? Ah, oh, euh, Expedia. Bon. Si je le fais, Ça, je vois avec réponse. Expedia. Si je le fais... Vous devez prendre Expedia.com. Mm. Vous devez réserver votre hôtel là-dessus. Euh, un, vous allez avoir le meilleur tarif. Deux, euh, si il y a un problème, Expedia va toujours vous aider avec l'hôtel n'importe oui. quoi. Parce que des fois, vous pouvez réserver à une sortie. Quelque chose qui arrive, vous n'avez pas réservé à la bonne place. Oui. Ils peuvent mm. vous démerder, puis oui. ils peuvent s'arranger avec vous autres. Et souvent, vous avez des meilleurs tarifs. Même quand tu arrives au front desk d'un hôtel, mm. Puis, euh, maintenant tu dis, euh, je voudrais réserver une chambre. Ils vont dire, allez sur le app Expedia, puis allez booker sur l'Expedia. Le Il y a un meilleur prix qu'ici. Il est 20-30 pièces de moins la nuit, 40 pièces de moins la nuit. sur Expedia. Tu t'assis dans le lounge de l'hôtel. Ouais. Tu rouvres sur ton téléphone le app on a parlé des apps, que c'était oh, important oui. d'avoir ben, des apps ben, aujourd'hui. Ben, oui, vous restos, avez des, avoir l'app la d'Expedia, de vous cliquez dessus, mm. puis vous regardez la sortie, l'adresse, puis tu peux vérifier que la personne qui est au front desk j'ai bel et bien la bonne adresse, bonne hôtel, ouais. parce qu'il y a beaucoup d'hôtels qui se ressemblent. Là, on, la y la y même chaîne sorties, de ville en ville, de sortie en sortie. Ah, oui. Mais moi, je fais ça bien avant. C'est-à-dire quand je commence à vouloir arrêter oui. en fin de journée, là, je regarde sur Expedia. Je book pas. Sur Expedia. Je regarde Expedia, oui. j'appelle l'hôtel directement et je leur dis que je m'apprête à booker sur Expedia pour savoir si sont en train de faire meilleur, faire mieux. Okay. Souvent, ils vont faire égal puis ils vont donner un upgrade. Parce que je te, je te l'ai déjà dit dans un, un podcast précédent, c'est eux autres, ils mettent, mettons, qui ont 100 chambres ou 200 chambres, ils en mettent oui. 5 ou 10 sur Expedia. Okay. Ils en mettent 5 ou 10 sur hotel.com, sur booking.com. Hotel mais il y a encore des disponibilités qui apparaissent pas dans les, ce qui Comprends. est disponible ou pas. Tu sais, quand tu dis qu'il y en aurait juste 5, il y en a juste 4, t'as peu. Il y en a juste 5, demi sur, le, oui. sur Expedia. Même si ça appartient tout au même groupe. Exactement. Et chaque, à, chacun, il y a, il y a son, Exact. Mais l'hôtelier, lui-là, là. De réservation. Ça ne tente pas de donner 20, 25 ou 18 Ça ne tente pas de faire ça. Alors, ce qu'il ce qu fait souvent, c'est qu'il va à côté le prix qui est sur Expedia. Okay. Je ne pas parler pour eux, là. Oh, oui. mais il va à côté le prix et il va te donner un petit upgrade. Alors, bon. souvent, tu fais ça quand tu es un peu d'avance, une heure ou deux d'avance. Oui. Là, tu t'appelles en sèche. Il faut que tu saches quoi le prix qui est sur Expedia avant. Puis là, tu appelles l'hôtelier et tu dis peux-tu matcher et peux-tu me donner quelque chose de plus Sinon, je le prends directement sur Expedia. Okay. Alors, lui, c'est à moins 18, ou je ne sais pas combien de pourcentage, mais c'est à peu près ça. Fait il est possible de faire donc, ça. Donc, toi, tu le fais en deux jours ou en trois jours Deux jours et demi, à peu près. Parce que moi, je ne suis pas pressé, puis j'ai un autre job dans la vie. puis je continue de travailler en auto. Euh, avec ma conjointe à côté, okay. on continue de répondre. Donc normalement nos, tu le fais, clients, hein, tu couches une nuit, deux nuits, deux nuits, deux okay. nuits, ouais. à peu près normalement deux nuits. Puis le lendemain il reste une demi-journée ou whatever. Donc tu, sais. tu couches à quelque part en Virginie, euh, en Virginie, puis ouais. après ça tu couches dans l'État de New York, dans le coin d'Albany, dans ce coin-là. Euh, je me rends pas, non, Fidelfi? je me rends pas bien avant ça. Euh, le coin de Wilkes-Barre. Ouais, parce que je, moi, je Wil prends la 81. Là, prends, ok, tu passes par la 81. Ouais, alors, oh oui, alors soit que je couche dans ce coin-là, okay. c'est quoi les villes qu'il y a euh, où, avant Hampton, que... Big, Big Hampton. Big c'est -ce que... rendu ouais. trop proche. Là. Ouais. Mais euh, dans ces villes-là, à la fin de ces villes-là, quand tu as passé les montagnes, ouais. ben, tu as une stretch là, que tu peux euh, aller un petit peu plus vite puis okay. euh, dans l'État de New York. Tu, ça, moi, j'étais un gars de 80 95. Puis quand tu arrives 287, puis après ça à 87, quand tu, vas, tu passes par, je vais dire par Montréal, ouais. euh, c'est pour ça que je te pose la question. fait que ouais. c'est bon. fait que toi, tu prends ce chemin-là pour monter en ce moment. Ouais. mais en ce moment, tu as bien dit en ce moment. Ouais. Si je partais au début du mois de mars, je prendrais 95. Donc, on se dit pourquoi? Ben, écoute, on sait tous, les, les, les Québécois qui n'ont pas de pneus d'hiver et qui finissent l'hiver se sont tous fait prendre à un moment donné à partir début mars. Ouais. Puis d'arriver dans les montagnes, ben oui, ben pas de oui, pneus d'hiver. Non, ben non c'est Dé, début, début mars débile. les montagnes, c'est l'hiver. C'est débile. Et à ouais. propos... Euh, alors, c'est sûr, je fais, je fais deux dodo pour ressources. Mais à propos, je pense que la pire une des pires expériences que j'ai faites, c'est dans le, dans le pic de la COVID, quand je suis revenu, où là, je voyais personne avec des masques. Moi, je, je c'était épouvantable, il y a une personne. Puis tu arrives dans une ville où tout le monde a des masques. Là, tu arrives dans une autre ville, il y a personne qui a des masques. Là, tu dis, c'est quoi, qu'est-ce qu qu'on fait? Puis comment? Puis ça, là, ça avait été une période très compliquée. Revenir aux douanes. D'expliquer que non, je vais être pendant. C'est ah, épouvantable. épouvantable. On avance là-dessus parce qu'on ne veut pas retomber dans le passé. C'est un non, cauchemar, non, là, non. tout le monde. C'est un cauchemar ou mauvaise mauvaises expériences. Mais la... je fais la 81. Mais normalement, si je repars au début mars, comme je l'ai fait dans certaines années passées, c'est toujours la 95 que je prends. OK. Avec le payage. Tout ça. Puis Écoute, si tu es en ligne droite, tu as moins de milage oui. Tu le fais à peu près en même temps parce que tu points souvent du trafic. Mais mon frère, il dit quand tu as du trafic, là, tu t'arrêtes, tu vas manger une heure ou deux. Ouais. Après, ça, il n'y a pas de plus de trafic, c'est terminé. T'sais, moi, moi j'ai un autre technique. Moi, moi ma, ma technique, puis euh, une technique qui n'est pas meilleure que l'autre, c'est juste non. la façon, comment toi tu t'habitues. Moi, moi, pour commencer, je ne couche pas à l'hôtel. Mm. J'ai eu pendant 26 ans des chiens. Donc, moi, okay. j'étais un gars qui a eu trois grands Danois, des chiens de, de entre 185 et 200 livres. Okay. Donc, je, oui, il y a des hôtels euh, partout Pet avec qui acceptent qui accepte les chiens puis les chats puis tout ça. Sauf que le chien ne dort pas de la nuit. Il entend les bruits dans le corridor. Il jappe. Oh, il n'est pas, pas chez pas eux. Pour lui. Oui, lui, lui. Oui. ton chien ne se sent pas à l'aise. Oh. Donc, qu'est-ce que j'ai toujours fait? J'ai toujours couché dans les restes Donc, j'ai toujours traîné une couverte de mon auto. OK. J'ai okay. toujours traîné une oreiller. Et je conduis jusqu'à temps que je suis fatigué. Puis, euh, d'une façon ou d'une autre, quand as un chien... À l'occasion, tu t'arrête dans un rest area pour le faire marcher le pipi, puis, ouais. puis les crottes, puis les affaires. Puis donner un petit peu à manger. Pas beaucoup à manger. Non. Pas beaucoup à manger parce qu'il y a des chiens qui stressent quand même là-dessus. Mm. Euh, parce que c'est quand même des longues distances, donc il faut donner des plus petites portions que de l'habitude. Puis ça, c'est drôle parce que c'est la même chose pour nous autres. Ouais. Quand tu conduis des longues distances, mm. t'arrêtes pas te prendre, t'arrêtes pas au restaurant, t'asseoir. Puis manger pendant 45 minutes un gros repas. Je comprends les Texas Roadhouse, puis les Longhorns, ces affaires-là, c'est bien bon. Le soir, pas le midi. Ou ouais, le midi ou le soir, là, je veux dire, dépendant ouais. quand tu arrêtes, quand tu es dans ton timing. Mais ouais, si tu arrêtes là, Martin, c'est que quand tu retombes un ça à la route, c'est sûr que les yeux vont te baisser, c'est pesant, tu conduis la route, la réflexion, soit que du soleil ou pas, les yeux de travail, tu es moins agile parce ouais. que. Parce que t'as man, mangé un, un repas normal, ouais. donc moi quand que je conduis, exemple, mettons 24 heures, 26 heures, 28 ouais. heures, dans une période de 48, donc okay, on s'entend, tu dis toujours ton voyage c'est un deux jours pareil, mm -hmm. donc moi je mange pas beaucoup, je mange à petit peu, donc je vais me faire faire, mettons Souvent. je vais faire un sous marin, ok, ok, puis le sous marin je vais le couper en trois, ah oui, ouais. puis je vais manger aux quatre heures, tranquillement, ok, okay. je vais bon. grignoter aux quatre heures. Et euh, je m'amène euh, une coupe d'énergie drink parce que c'est mon goût à moi personnel. Oui. Comme j'ai expliqué, je ne prends pas de café. Euh, je bois toujours, j'ai tout le temps ma bouteille d'eau à 1 litre à côté de moi. Chose. Quand je mets de la sang, je fais pipi, je fais marcher le chien, je m'organise, je le dégourdis 5-10 minutes, je le rembarque, on repart, ciao, bye. Mais, mais je me trompe où le, le chien lui-même, puisqu'il n'est pas chez lui, dans son habitat naturel, va définitivement euh, moins manger lui-même. ne mangera pas beaucoup, sachant pas quand est-ce qu'il va pouvoir. Oui, il y en a qui mangent, moins, mais il faut quand même éduques à moins manger. Okay. Puis eux autres, leur maison, c'est l'auto, c'est le véhicule automobile. Mais parce que des pas gens, non, mais, mais c'est correct. Ils savent, ils savent qu'ils sont partis pour une longue run, ils sont pas fous. C'est comme des enfants pour nous autres, hein, ouais, nos bébés. Puis ils savent qu'on est parti à l'aventure, puis sont plus à l'aise à être dans le véhicule que d'aller d'une chambre d'hôtel. Tout le monde qui a des chiens qui ont été dans les hôtels. n'en connais pas beaucoup que ça le bien viré. Ils vont dire Ah, oh, le chien a dormi toute la nuit, ça a bien été, euh, c'était correct, tout ça. J'ai des, des gens que j'ai recommandé ça. Ils ont fait qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas fait pour tout le monde dormir ouais. dans son auto. On s'entend oh, ouais. coucher le bain, mais il était tellement brûlé ouais. que si tu dors 3, 4, 5 heures, tu en as assez. Ouais. Tu te lèves le, Moi, c'est ça. Fait que je me lève le matin à 4, 4h30, 5h du matin, je refais ouais. marcher le chien. Je me dégourdis moi-même les jambes 5-10 minutes comme il faut. Euh, je prends le temps de pisser, m'aligner, pis tout ça, pauvre, puis après ça, je rembarque dans le véhicule, je conduis un 2-3 heures, puis après ça, je commence à manger après 2-3 heures de route. Je commence à me prendre une petite bouchée, quelque chose, pas beaucoup, une petite bouchée. Okay. Puis tranquillement, aux deux, trois heures, quatre heures, une petite bouchée, une petite bouchée. Une petite... Je ne me sens jamais l'estomac plein, jamais. Je sens jamais que j'ai de la bouffe dans mon corps. OK. Jamais. Bon, ce je je m'hydrate comme il faut. Ben, à partir ouais. de là, tu combats moins euh, la fatigue. Ouais. Les yeux tombent moins, tu es plus alerte. Ça, ça c'est un truc de jogger aussi. Là. Okay. Je veux dire, c'est direct. Là. Je veux dire, c'est vraiment la façon de faire, les gens qui ont des animaux qui euh, sont capables de faire de la même façon. Ce n'est pas tout le monde qui accepte encore une fois de dormir dans leur véhicule automobile. Euh, moi, souvent, je disais à ma femme ou mes enfants, prenez l'avion, puis moi, je vais monter en auto. Ou des je fois, j'avais un chiens. enfant avec <laughs> moi, je vais monter le chien, je vais monter le chat, parce que moi, j'ai un chien j'ai un chat. Okay. J'ai monté avec moi les deux, le chien et le chat. Okay. Les deux meilleurs amis au monde, les deux, ils aiment ça. Ah oui, les, les mais deux, pas l'hôtel, juste strictement... L'hôtel a toujours été, je vais dire le mot en québécois, un calvaire pour mes animaux. Okay. J'ai eu trois Danois, les trois Danois. J'ai déjà couché une fois à l'hôtel avec eux autres. C'est un calvaire, ils n'ont pas dormi de la nuit à moitié. Mais de toute façon, leur maison, c'est ton auto. C'est l'auto. Okay. Fait qu'en étant avec toi dans l'auto, tu dors avec eux autres dans l'auto, ils sont bien. Toi, tu ne l'es pas. Ce euh, n'est ben, avec... pas le même confort que. Non, je, que dans je, com un je, comp je comprends, mais si j'ai mon oreiller et j'ai une couverte, ouais. je vais dormir un 3, 4 heures, 5 heures facile. Okay. C'est ce que, que as besoin. tu as l'automobile. Dans le reste, à Rio, tu trouves une belle place. Okay. Euh, pas trop loin des vannes, mais il faut penser qu'il y a des vannes l'hiver qui, qui laissent marcher leur moteur aussi. Eh hey, oui! Fait qu'il faut faire attention, il faut être bruyant. Des fois, je dors, le moteur est en marche. Mon moteur est en marche, parce que je mets juste la chaleur à bonne place. Okay. Quand il fait chaud, la, la ici, à bonne ouais. place. Je laisse la vitre ouverte d'à peu près un pouce. C'est ce que j'allais dire. Un pouce toujours. Et. Euh, je dors comme ça, puis j'ai jamais eu de problème. J'ai fait ça, okay. j'ai fait ça des vingtaines de fois. Là. Parce que si euh... tu couches dans un hôtel, puis les hôtels de plus en plus ont le, le déjeuner pas continental, le déjeuner complet inclus, oui. bien, à ce moment-là, tu te sens obligé de déjeuner. Mais moi, je t'assure que même si c'est ça, je ne déjeune pas. Non, non c'est Un café oui. noir, puis je passe sur la route. Ben c'est ça. Il faut vraiment s'éduquer comme il faut là-dessus pour rendre le plus facile. Est-ce que tu as ta SunPass? On a parlé. Oui, j'ai ma SunPass. Cet hiver, pour, pour des raisons que j'ai travaillé sans cesse, là, je ne l'ai pas utilisé, mais oui, j'ai ma SunPass depuis okay. euh, toujours, connecté à ma carte de crédit. Ça fait que voilà. se prend un montant et... parce, est parce que encore une fois, il y a des pétales en montant. Oui. La 95. Ça, 95. Mm -hmm. Il y a des autoroutes payantes, il y a des ponts payants, tout ça. Donc, quand tu as ta SunPass, tu es couvert. Parce que, je ne sais pas si tu en as, mais moi, j'ai des Québécois qui sont descendus du Québec. Mm -hmm. Pas de passe pas rien. Euh, ils ont traversé, euh, ils ont été sur des autoroutes payantes. Puis, ouais. un moment donné, ils suivaient ouais. les autres de neuf C'est pas grave, c'est pas grave, ils <laughs> m'enverront tickette par la mal. Sauf que j'ai quelqu'un que je connais bien. Euh, il y a deux ans, euh, il est arrivé aux douanes en avion. T'es avec sa femme, t'es 500 en Floride. C'est des gens qui font 30 ans qu'ils viennent en Floride. Okay. Et euh, le douanier qui pose des questions de tu ça sais, Vous allez où Je m'en vais en vacances, je m'en vais à mon condo, tu sais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Il dit Vous, monsieur, il dit Vous n'y allez pas en Floride. Elle oui, lui non. Oui. Fait qu'il dit vous il dit quoi? Il dit je regarde dans le système ici, il y a un ticket de 1998, 1998 du même que vous avez pas payé. Mais pourquoi qu'il réagit fait qu il là? Fait qu'il dit, ben, dit c'est quoi? Avez-vous une copie de ça? C'est pas à moi de fournir la copie. Mais il dit à ce temps tous les systèmes sont informatisés. Et il y a plusieurs états et systèmes qui en ce moment sont à jour dans toutes vle deux ans, vle cinq ans, vle dix ans, il n'était pas à jour. Maintenant, tout uniformisé. heure, oh. ils ont les renseignements de tout le monde depuis les 30 dernières années. Tu sais qu'il y a des gens qui claquent des, des, des genoux présentement à ce que tu ouais. dis. Ben, c est, c est... Chez les gens que, que je connais qui sont blacklistés, dans certains États, ils s'en vantent en joke parce que ça ouais. date des années 80. Ouais. Mais heure que c'est linké, tu ouais. peux euh, ils peuvent. Euh... Un douanier est un pape. Oui. On a, on a un du... douanier est un pape. Il y a des douaniers qui ne s'occuperont pas de ça puis il y a un douanier qui va s'en occuper. Mmh. La personne que je parle, c'est une, une personne qui n'a euh, même pas de ticket au Québec. Euh, c'est un, une personne qui est clean au bout. Bon père de famille, deux, trois enfants, mmh. euh, la vie est belle, il n'y a, a pas de problème, OK? Fait que le douanier, quand c'est arrivé à Montréal, le douanier a décidé qu'il leur virait le bord parce qu'il dit, tu iras ranger dans, dans ton système. Moi, moi ça m'apparaît dans ton système que tu as un ticket que tu n'as pas payé. Puis à partir de là, tu ne t'en vas pas en Floride. Pas plus de renseignements que ça. Il a, il a dit le main. Le main, on l'a appris après. Mais il a dit au début, tu as un ticket tu pas payé depuis longtemps. La madame, elle ne devait pas être contente à côté. Je peux oui. vous dire, les gens, que ça a coûté entre 5 et dix mille hey! d'avocats. Ben, voyons. D'avocat au Québec de... au Québec ouais. pour aller dans le système, trouver c'était où le ticket, sa dette à de camp, de le payer, d'avoir la preuve. C'est un processus qui a pris 18 mois. 18 mois. Il n'a pas pu revenir à son condo en Floride. Il n'a pas été capable de revenir, soit en avion, soit en auto. Donc, il a était, il été était blacklisté. Maintenant, un coup que l'avocat a fait le clean-up là-dedans, maintenant, il est quand même dans le fichier. À tous les fois que s'en vient en Floride, il faut qu'il traîne sa preuve et son papier, et sa quittance. Parce que les gens le voient. Parce que même si son avocat il a dit oh Oui, maintenant c'est correct, tu as payé, tu as ta quittance et tout, ça peut prendre de 6 à 12 mois avant que dans le système, il soit nettoyé que ta preuve est là. Okay. Donc, lui, il a tout le temps son enveloppe jaune <laughs> avec ses papiers de quittance. Donc, si le douanier l'arrête, il pose la question. Il y a des douaniers pour se mettre pour poser de questions. Absolument. Mais, comme mais, je mais ça ne veut pas dire que celui d'après ne posera pas de questions. Tu ne le sais jamais, c'est un coup de dé, Martin. <laughs> ouais. Donc, le douanier, il se pose la question, mais il sort, il sort sa fiche, papier. Puis il monte ses preuves, ça quittant ça, lui il va le rentrer dans le système. Ok, c'est beau, je l'ai reçu, il n'y a pas de problème, tu peux y aller. Mais malheureusement de ça, même son avocat lui a dit prends pas des vols. Si tu un vol direct, c'est correct. Si tu as, as une connexion, prends pas une connexion qui a un heure, un heure et quart de différence entre les deux. Prends deux une connexion qui a deux heures et demie, trois heures. Mmh. Parce qu'il va te mettre de côté, il va te passer quand il y a le temps de te passer. D'après la liste qu'il y en a en avant de toi, puis ça peut prendre deux, trois heures avant que tu claires aux douanes. Exact. C'est pas son problème. C'est si pas as son pris la problème trop, si la connexion ferme. est manquée. Il y en exact. a qui travaillent avec toi. Avez-vous une connexion? Oui, monsieur, tout ça, oui, OK. Il y en a qui vont un petit peu plus vite. Il y en a qui sont fins, il y en a d'autres okay. qui sont moins fins. C'est comme des policiers, c'est comme n'importe quoi. Fait que c'est un processus, là, je te le dis, là, Martin. Ça a été un calvaire, c'était ces gens-là. Ouais. Puis C'est des super bonnes personnes. puis c'est une niaiserie dans le temps. C'est une avait... niaiserie sans doute. C'est qui est descendu au Lord avec ses gangs de chums dans le temps, puis il a déjà okay. pas d'étiquette à 95 ou ouais, à quelque part. Il dit puis pas. Je, je le paye pas, je suis dans le main, je mets un sac, boum, pauvre, ça y est réapparu une, une vingtaine d'années plus tard. Fait que c'est pas drôle, là. Non. Fait que c'est la même chose. Quand on parle d'avoir le sun pass, c'est que... Allez chercher ouais. votre SunPass, je vais dire Walgreens, là, tu comprends. Publix, Walgreens, Walmart, Walmart aussi. Walgreens, oh, oui. Publix, liaison. Allez vous enregistrer, mettez votre carte de crédit par tout ce que vous passez. Vous allez voir, ça va débiter directement dans votre compte, puis l'argent ouais. se prend automatiquement. Ou soit vous faites un dépôt de 15$, 20$, 25$, puis vous envoie une notice quand vous êtes rendu en bas, mettons 10$ que vous avez oh, marqué oui. là-dedans. C'est ça, ça là, clients, le fait une police d'assurance. C'est une police d'assurance, puis c'est important. C'est pour ça que je te l'ai demandé, toi personnellement, si tu l'as Moi, je l'ai. C'est hyper, hyper important parce qu'on a parlé à un moment donné de permis de conduire de la Floride, tout ça, mais c'est un autre histoire. Tu es dans le système ici. Si tu arrives pour avoir un permis de conduire temporaire, mm -hmm. puis tu es blacklisté dans un autre état, ils ne voudront pas te le donner encore. Oh, okay. C'est la même chose. Okay, okay. Fait que là, hey, je vais mettre Ben oui, ben, on dit c'est Snowbird 2.0. Oui. Donc, on dit Snowbird 2.0, c'est des gens éventuellement qui euh, soit excluent des Airbnb à temps plein ou pour une période de 3, 4, 5, 6 mois, oui. soit des gens descendent avec leur roulotte, leur vie sur un terrain. Oui. Euh, il y en a beaucoup. Oui, oui, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui se louent des, des maisons mobiles. Il y en a du dessin avec des terrains de camping, tout ça. au West Deck, le C, le C. Il, oh, oui. il y en a au Kichobi qui est oui, extraordinaire. Oui, oui. hein, Puis là, euh, parce, que as pass, parce que tu n'as pas pris ton SunPass, parce que tu ne t'es pas enregistré, parce que tu as un ticket qui était un pay d'une pièce et demie, mmh. ben, l'une pièce et demie que tu n'as pas payé est rendue à 82 pièces avec les frais. Puis maintenant, quand tu vas avoir ton permis de conduire de la Floride, parce que finalement, je suis rendu à semi-retraite, mmh. je veux passer un. On le dit quand tu es deux, trois mois par année, allez vous chercher votre permis de conduire de la Floride temporaire. Oui. Tu viens pour avoir ton permis de conduire temporaire, tu le sais pas, elle elle à même accès, à même place que le douanier, là. Ah oui. Fait elle elle n'a pas dessus. les mêmes droits que le Alors, douanier, c'est pas, pas un douanier, ça. Mais elle, elle va tout simplement dire je ne peux pas te donner ton permis de conduire Exact. Ni je temporaire. Peux, je, ni temporaire. Je ne peux pas te donner, émettre ton permis de conduire parce que tu as un étiquette qui est impayé à telle date, à telle place, depuis tant de temps. Mm. Fait que toi, il faut que tu recules, il faut que tu appelles le comté oh. de County. Il oui. faut que tu appelles euh, où c'est que, que tu payes tes taxes au county puis tes étiquettes. Il faut que tu retraces ton affaire, il faut que tu envoies la facture, il faut que tu le payes, il faut que tu aies tout ça. Moi, je suis capable de le faire. Puis je l'ai déjà fait avec du monde alentour de moi. Okay. Mais c'est pas tout le monde qui sont fluide en anglais. C'est mm. pas tout le monde qui sont à mm. est à l'aise d'appeler. C'est pas tout le monde qui a des affaires. Et fait, ça prend du temps. C'est aussi le ben temps. Ben oui, ça prend. Ben oui, ça prend du temps. Ce processus-là que je te dis là, Martin, c'est un processus qui prend euh, qui prend au moins 60 jours. Maintenant, je reviens à l'histoire de Douanier. Ouais. Le Douanier, lui, il l'a pas dans son système encore. Les autres, ils ont des piles. Là. Ils okay. ont des piles, piles. Bien, c'est là que je dis que ça peut prendre un an, un an et demi avant que ça soit clairé dans le système. Oh. Donc, okay. oui, tu as ta quittance de l'avocat que a eu avec le county comme de quoi te payer. Et quand tu passes aux douanes puis qu'ils te mettent de côté parce que tu es déjà blacklisté, tu y donnes sa preuve. Lui, il le rentre manuellement sur l'ordinateur. Le prochain, il va l'avoir. Le prochain, va l'avoir. C'est ça. Le prochain, théoriquement, Va l'avoir parce qu'il y a un douanier que ça a pris plus de temps, un mmh. heure, deux heures, trois heures. Lui, il a fait l'acquittance dans le système tout de suite parce qu'il t'a pas rendu là à clairer dans, dans pile. Parce qu'il y a du monde qui le font, là. Oh oui. du monde en arrière là, oh oui. qui le font puis il rentre. Mais lui, il t'a rendu ça fait que lui, il l'a fait quand tu étais là. C'est Mais... pour ça que ça prend une heure, une heure et demie, deux heures, trois heures. Okay. J'ai du monde qui ont déjà passé six heures au douanes pour quelque chose comme ça. Okay. Aux douanes terrestres. Aux douanes terrestres, même aériennes. Okay. Si tu t'en vas à Montréal, les douanes, c'est les douanes américaines qui sont dans le À Montréal, oui, pas à Québec. À Toronto, c'est pareil. Hmm. À Québec, à Québec, il n'y en a pas. À Québec, tu arrives à Philadelphie <maiden> dans ton transit, là? Philadelphie, New York, ou tu t'en vas directement avec Air Transat ou Air Canada, directement à Fort Lauderdale. Donc oui. au moins tu es arrivé à destination, mais ouais, le douanier mais... va te mettre sur le side. Ouais. Puis le douanier ne te laissera pas rentrer ouais. l'autre bord de la gate, tant longtemps que ça, c'est pas fait. Donc. Toi, tu as tes valises. Tout le monde est arrivé. Ah ouais. Tout le monde va chercher les valises en bas. <laughs> puis, toi, finalement, tu vas te dire Ouais, mais viendrai me rechercher quand j'aurai fini. Ou le, le monde t'attend en bas à l'aéroport, une heure, deux heures, trois heures. C'est ça. Heures, cinq parce qu'il y a du monde qui part. Puis qui tout part le, le monde de, veut partir. Là. De port sainte lucie pour venir chercher leurs amis ici ben, ben, est... à Fort Lauderdale. Rendu là, ils il arrivent un petit peu d'avance pour être certain de t'avoir. Là, toi, tu es là, tu fais retarder le groupe ou le couple. Oui. Puis, tu es là en attente. Et ça m'est arrivé. C'est drôle, tu me parles de ouais. ça. Il y a du monde qui arrive pour aller chercher des gens à l'aéroport. Moi, je reviens tout simplement pas que des gens n'ont pas encore compris ça. Là. Que ce soit l'aéroport de Tampa, l'aéroport de Fort Myers, l'aéroport de Palm Beach, l'aéroport de Fort Lauderdale, il y a un endroit spécifique pour aller attendre les gens. Oui, avant. Vous n'attendez pas sur le bord de la 595 mm -hmm. que vous faites tuer là, dans votre auto. Euh, vous n'arrêtez pas sur le bord de la US-1 que de la police tout le temps passe un qui check. Mm -hmm. Vous arrêtez un endroit qui s'appelle euh, Cell Zone. Oui. Pour le cellulaire. Il y en a avant l'aéroport, faut... puis il y en a... Entre les, euh, mettons, la 1, la 2, la 3, la 4. Entre vous, les... vous, aussitôt que vous arrivez, euh, pas loin de l'aéroport, lisez les panneaux. Hum. C'est très bien indiqué. Hum. Vous avez juste à suivre les panneaux. C'est pas complet. C'est j... pratiquement jamais plein. Je... Je, non, parce que c'est du in and out. Le monde arrive là, il attend que l'avion atterrisse. L'avion atterrit 15-20 hum. minutes. Ton chum t'appelle ou ta chum t'appelle, elle dit Hey, j'ai mes valises, appelle-moi quand t t auras tes valises en bas. Parce que des fois, il y a des compagnies aériennes que ça prend une heure avant que les valises sortent. Oui. Fait que tu lui dis Tu m'appelles quand t'as ta valise. Quand oui. t'as ta valise, ça va me prendre 5 à 7 minutes, je vais arriver, dis-moi quel gate, à quel endroit que tu mm -hmm. T'arrives, tu stationnes à droite pas gars qui a le sifflette. Ouais. Il te pousse tout le temps, ouais. c'est il faut t'attendre dans le cell zone. La personne dit, j'ai ma valise, je m'en vais en avant de la porte numéro 4. Mm -hmm. Je suis direct en avant. Là, je t'attends. Quelle auto tu C'est <laughs> quoi la couleur? C'est super facile à savoir. Mm. Donc, l'autre part du cell zone. Ouais. Ça prend 5 à 7 minutes, ça en vient de tranquillement. Ah, Fais pour. ça les identifier, rouvre la porte de l'auto, rentre la valise, donne un bec, mets ça sur le drive, puis on repart. Puis attendons le bec après, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. des fois. Non, non, il y en a qui sont. Hey, des fois, c'est des accolades. Toi, t'es là et que t'attends en arrière, du traffic jam. Eye. Non, non, c'est épouvantable. Mais, pouvant mais c est, c est, ça, ça c'est un autre. C'est une, une procédure à faire. C'est une ouais. procédure pour la sécurité. C'est une procédure pour respecter les autres qui sont là aussi avec oui. toi. Parce c'est oui. beaucoup de in and out. Comme tu me dis, le bec, là, tu peux le donner dans oui, le dos. Puis, tout de suite, tu pars. Là, okay? Exact. exact. Ou tu fais un high-five ou un, <laughs> un show, puis aille, on s'en parlera tantôt. Là, on oh, vient oui. te chercher. C'est une procédure aller à l'aéroport. Puis, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé il y a une couple d'années euh, dans l'aéroport. On essaie de rentrer, mais on essaie de sortir le plus rapidement possible. Il y a, il y a eu un attentat à Fort Lauderdale oui. d'un aéroport. Mes oui. parents atterrissaient. Il y a du monde de Québec qui était dans l'avion. C'était un vol direct à ce moment-là oh. avec Air Canada à la même gate que c'est arrivé. Okay. Nous autres, on allait moi, j'allais chercher mes parents. C'était la. C'est un, un gars qui arrivait de l'Alaska, je pense. Oh, je, ouais, Air Alaska, enfin, ouais. Alaska Airlines. Ouais, ouais. euh, c'est un gars qui mais a eu un problème dans la tête. Mais c'est ça a été l'enfer. Ça a duré, ça a duré, tabarnouche, 5-6 heures. mais bon, ben, moi, je partais. C'était à midi 25 cette affaire-là. Affaire okay. Moi, je partais de euh, Hollywood, je m'en à... je devais partir à Fort Lauderdale. Et deux, trois jours avant, j'ai eu l'idée de partir, de prendre mon vol à partir de Orlando-Sanford. Okay. Donc, j'étais dans l'auto quand j'ai entendu ce qui se passait à Fort Lauderdale. Wow. Okay. <laughs> Moi, mon père était dans l'avion qui venait d'atterrir, puis ils n'ont ouais. pas été à la Gate. Ils étaient à peu près à 100 pieds, 200 pieds de la Gate. Okay. Puis ils ont expliqué qu'il y avait un problème justement en, en bas. Euh, Sans dire à, quoi. À Gate, non, non, ils ont dit qu'il y, qu y avait un genre de terrorisme, quelque chose de même. Ah, ouais. là, oh, Parce oui. qu'on savait pas c'était quoi, on, on, on quoi. Le monde courait sur le tarmac. Là. Ah oui. Il y a du monde qui sortait par oui. des portes et se sauvait. Wow. C'est les, euh, les deux premières portions de l'aéroport à Fort Lauderdale. Oui. Les gates de 1 à. 1, Il y a 2, 1, 2, 2, 3, 4. 4 ouais. C'est ça. Les deux à droite qu'il y avait. Là. Fait mm. que c'est là que ça s'est passé. Fait que, non, non moi, si tu te le dis, ça a été, ça a été un calvaire. Là. Fait que les gens prennent leur téléphone. Janvier, les gens prennent un téléphone. D'habitude, moi, je, on prend le téléphone pour on vérifie si le vol est arrivé. Mettons, oui. on y arrive à 20h27. Un coup qu'on sait qu'on est arrivé, on dit avant à la personne, oui. avant aller chercher tes valises, avant de nous coller pour dire chercher. Il y a une chercher. app qui s'appelle Flight Tracker. Oui. Tu es capable de suivre le vol en direct. Hum. Tu es capable de savoir quand il est atterri. Oui. Puis la personne, quand elle arrive, elle dit tout simplement, envoie-moi un texte. Quand tu es arrivé et ton cellulaire marche. Mmh. C'est beau, je suis dans l'avion, je suis encore arrivé. Je t'assieds à de l'avion, au milieu de l'avion, si on prend un certain bout. Mmh. Puis je vais te texter quand je vais avoir ma valise. C'est bon. ça qu'il faut que tu te dises. Mais ça, ils sont dédouanés quand ils partent de Montréal, mais ils ne sont pas dédouanés quand ils partent de Québec. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut qu'ils te textent quand il y sa valise. Mmh. Ouais. c'est pour ça qu'à un moment donné, n'arrivez pas trop serré non plus. Si le vol est supposé d'atterrir à 9h30 le matin, le vol d'air transat, arrivé pas là à 9h15 parce que le vol à 9h30, vous ne verrez pas personne sortir avant 10h du record. Hum. Ben, ça dépend faut... des fois, mais oui, effectivement. Ouais, mais mais tu Martin. vois chez Derribelles, tu prends une petite crème glacée. Oui, oh, c'est euh... ça, tu te tu <laughs> promènes, promènes avant. Mais tu comprends ce <laughs> que je veux dire? C'est que oui. ces gens-là, il faut qu'ils passent aux douanes. Oui. Après ça, il faut qu'ils ramassent leur valise. Exact. Après ça, ils sortent. Non, ils ramassent la valise, puis ils vont droit. Whatever. Okay. Un, un ou l'autre, euh, c'est la même affaire. Mais toi, tu n'as pas ce problème-là parce que tu montes en auto. Oui. Tu, tu passes cette nuit, oui. puis euh, tu, tu passes par la 81. Moi, je suis plus un gars de 95. Et même quand je monte, euh, dépendant si je tombe la fin de semaine, je passe par l'aéroport de Newark, puis je vais collecter à 91. Okay. Je vais collecter à 91, moi, en montant. Je monte par la Nouvelle-Angleterre. Oui, 91-97. Euh, non, non, ah non. C'est vrai, toi, tu 95, vas vers Montréal, 95 91, ]はい. je passe par Hartford, Hartford Connecticut. Je passe par Connecticut, puis ouais. je monte, je monte euh, euh, vers le nord directement, puis je vais aux douanes de derby Stansted. Stanstead, en Estrie. Ouais, en Estrie, c'est Stanstead. L'autre base, aux États-Unis, c'est Derby. Oui. Derby, sa dernière sortie, que vous mettez du gaz ouais. avant ouais. de vous rendre au, ouais. au Québec. Vous sûr que vous avez dit <laughs> que vous vous rendez Québec? C'est le gaz, c'est à moitié prix. En fait, oui. Si vous mettez, vous avez l'habitude de mettre 80 dans votre véhicule canadien, vous allez mettre 40 US. Fait que c'est la moitié prix, mais en exact. considérant le, le oh oui, je comprends. Les, les, les mondes savent, tout le monde tank, tout le monde oh tank oui. du côté américain. Ben oui. Puis euh, c'est euh, sa dernière portion à faire. Puis moi, c'est un petit truc. Ça, 91, il n'y a pas de police. Ça, okay. 87, il y a beaucoup de police. 87, beaucoup de police, mais beaucoup non seulement beaucoup de police. L'État de New York, beaucoup de police. Puis y... sont de connivence avec le Québec et la SAC. Ça ah, fait c'est un étiquette. Oui, ça... <laughs> Mais c'est écrit aussi sur des panneaux, vous allez le voir. Troisième offense cellulaire, vous perdez, perdez votre permis de conduire. Bon, dans l'État de New York, sur la 87, ouais. c'est clairement ouais. identifié. Non, ils sont, sont très strictes. Il ouais. euh, faut que vous mettez euh, votre cruise, mettons, à 112, pas plus. Si vous ouais. passez 112, ils vont vous arrêter. Puis on dirait qu'ils ont du fun à le faire. Tandis que la 91, il n'y a rien de ça qui se passe. En tout cas, un Il rouler, rouler à 130, 140. Ouais. Puis euh, la police et. Les a paysages a pas, sont pas, pas de, sûrement pas. plus beaux dans ton bout que dans ah, la 87. La, Puis l'autoroute est parfaite. Ah oui? Ah, oh, okay. la 91, l'autoroute est extraordinaire. C'est une bille. Fait que là, toi, tu arrives à Stansted. Oui. tu prends la 50, 55, 10-55. La 55. Jusqu'à Drummondville, je suis à Drummondville puis jusqu'à Québec. OK. Ça, c'est mon choix. J'ai toujours fait ça. porte descendre, pareil. J'ai toujours fait la même affaire. OK. Euh, puis dépendant du timing de la journée, qu'est-ce qui se passe ça, moi, c'est toujours été ma route à moi personnellement. Okay. Des petits morceaux de lunch, un petit lunch de près. Ouais. Un petit lunch de prêt, des petits morceaux. Des sous-marins. En trois, quatre. En quatre. Ouais. En ouais. J'en ai tout le temps deux. Puis des, 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 des petites gâteries avec ça. Petites gâteries pour le chien aussi. Oui. Une fois de temps en temps, faut il faut qu'il en aille un peu. C'est ton chum. Pour Minou, pour Pitou. Euh, oui, parce que moi, j'ai une minette. Oui. La minette est spectaculaire. <laughs> OK. Puis. C'est euh, qui qui run des deux, là? Un, da, un immense, mettons, un immense Danois. Deux, deux meilleurs cas, amis du monde. Oh. Deux meilleurs amis du monde. Wow. Oui, deux oh. meilleurs amis du monde. Fait que je l'ai fait d'un barbe et de l'autre et parce que j'ai des animaux. Je couche dans les rest areas, je baisse mon bain, je fais ça, ça c'est moi. J'essaye de faire Il n'y a rien de le fun de conduire si longtemps que ça dans la vie. On s'entend que non, non, c'est un job, c'est job. Ouais. Puis j'essaie de faire la job le... sans me rusher personnellement, la job la façon la plus clean, la plus rapide et la plus efficace, que ça soit plus facile pour mes animaux et pour moi en même temps, hum. et une sécurité. Euh, une sécurité euh, moi quand je dors dans mon véhicule automobile j'ai bien des affaires je peux pas me faire voler ok ok euh, je suis arrivé dans des je suis arrivé dans des hôtels à l'époque que j'avais des choses puis je me suis fait atta attaquer dans mon véhicule je me suis fait je me suis fait me faire voler des choses parce que j'avais des motos j'ai un paquet d'affaires il m'est arrivé un paquet d'épisodes Trois, quatre fois dans ma vie dans des hôtels, mais c'est seulement d'hôtels en dessous des lumières. Ouais. En avant de la mais moi, je rentre le stock en dedans. En... Ouais, mais moi, je le pas stock pas. important. Moi, je ne peux pas. Euh, pas c'est un gros trailer et beaucoup okay. de stock. Tout oh ça. Boy, okay. Donc, c'est la raison pourquoi, que pour moi, quand je descends, j'ai des grosses valeurs. Je dors dans mon véhicule. Fait que je suis sûr qu'il n'y a pas de problème. C'est une tout. autre raison. Hey, une des choses. Euh, D'abord, deux choses. Pet-friendly. Oui. Nous, chez Richards Motel, on a parti il y a une dizaine d'années le Richards Pet-friendly Motel dans oui. la région de Hollywood. Hollywood. Oui. Mais c'est quoi? Oui. On, on va en parler dans l'autre épisode qui va suivre. Avec plaisir. On va en parler des chiens, des oui. chiens en Floride, le Hollywood. Oui, Qu oui, oui le, qui on est va, un je... parc. Oui, qui, mais... est, qui chut, est vraiment un parc. Chut, on va faut pas, parler de la Et concernant le, 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 le voyagement, juste mentionné que euh, la dernière chose que je vais manger, parce que je conduis puis je couche dans les hôtels, tout ça, la dernière chose que je vais manger, c'est de la friture. De quelque façon que ce oui. soit de la friture. J'ai l'impression, point un spécialiste, je ne connais pas l'alimentation ou quoi que ce soit, mais la dernière chose que tu manges, c'est ça parce que c'est ça qui prend le plus de temps à digérer oui. et qui t'endort. Oui. Donc, n on parle pas juste de patates frites. N'importe quoi qui est friture ne touche pas à ça du que Regardez, là, une question de sécurité. Les yeux là, vous baissent puis vous cognez vraiment des clous. Arrêtez d'un Ressaria. Hum. Arrêtez d'une station-service qu'un que que un bon stationnement. Allez marcher 5-10 minutes. Ouais. Allez vous dégourdir. Allez vous changer les idées, tirez allez vous. boire de l'autre, et tirez-vous, tirez faites de quoi, ouais. puis repartez. Aussitôt que vous sentez ouais. les yeux pesants, vous commencez à, à, à cogner des clous et tout ça. Sécurité, arrêtez, faites vos affaires. J'ai toujours fait ça. Mais toujours, je me demande pourquoi ça. les gens... Il y a un accident, oui. ça n'avance plus, il y a une sortie, arrête, sortez, arrête. arrêtez. Laissez passer ça heure pas un de à, pas. heure de temps. Arrêtez un heure de temps, ce pas une course. Ce c'est pas, pas une course, il n'y a pas de problème. Puis euh, allez vous changer d'idée mm -hmm. et essayez de se mettre la run la, la plus facile, la plus agréable exact. possible. Fait il y a deux théories. Il y a la 81 avec toi, que tu peux dormir deux soirs. Il y a la 95, tu peux dormir un soir ou deux. Il y en oh, mais la 81 que... aussi, tu peux dormir un soir. Là. Oui, mais oh, c'est oui. ça. Il y en a qui le font un deux soirs. J'ai plusieurs amis qui font ça. Avec les animaux, moi je vous ai donné en tout cas mon truc. Euh, et euh, j'ai beaucoup de gens qui suivent mon truc en ce moment, qui ne le faisaient pas avant, okay. mais qui le font. J'ai des amis, même Martin, qu'ils okay. descendaient avec leurs femmes. Maintenant, ils font descendre leurs femmes en avion. Okay. Eux autres descendent directement avec leurs animaux en auto-sol. Puis ils font exactement le truc que j'ai. Ouais. J'ai dit puis comment accès. Ils ont dit Tabarnouche, c'est beaucoup plus agréable. Moi, étant honnête avec toi, c'est pas mal moins stressant. Puis c Mais peut-être pas mieux avoir deux conducteurs qu'un seul conducteur? Mais ça, ça dépend de ta capacité. Là, ouais. Parce que ça, ça dépend de ta capacité. Moi, moi je veux dire, mon copilote, c'est mon chien. Okay. <laughs> ma copilote, c'est mon petit chat. OK. Fait qu'à partir de là, il euh, y a des podcasts à écouter. Oui, il y a de la musique, il y a des podcasts, ça change. J'ai découvert là-dessus, ça, ben, 81. Tu me parlais, ça, 81, tu étais assez à droite, ben bon. Mon... Mais ça change toute la donne. Les ouais, journées ouais. passent plus vite. À cette heure, c'était le poste de radio, les CD dans le temps. Puis là, on essaie de pogner un bon poste de radio, on mettait notre playlist, ses affaires. À cette tu peux écouter un podcast qui dure un heure, deux heures, trois heures, quatre heures, tu peux en écouter plusieurs. Ouais. Ta journée, elle passe deux fois plus vite. Exactement. Donc, tu conduis, tu avances, il n'y a vraiment pas de problème. C'est beaucoup plus agréable que c'est la technologie. La technologie a aidé beaucoup. Il y a des véhicules ouais. à cette heure que tu as. XM Serious, moi j'écoute XM Serious. XM Serious, t'as des véhicules à cette heure que le Cruise Control, t'as même plus besoin de mettre la main sur le volant. Tu sais, les ben, Tesla, ils en font de même. Oui. T es, t es, pas à... juste cela, il y en a plusieurs. Il y, a, il y a plusieurs tu véhicules à cette un Tant que ton doigt reste sur le volant, il n'y a pas de problème. Si tu l'enlèves, ouais. euh, il vibre premièrement. Pou, pou, pou. Le volant vibre, mais dans certains cas, le volant et le siège vibrent en disant ouais. Hey, wait, up! » Pour travailler. Pour travailler. Non, non, la technologie ah, ouais. rendue, est rendue. Hein? Ouais. C'est beaucoup plus facile conduire à Star. C'est beaucoup plus agréable. on est confiant parce que que si toutes les voitures deviennent comme ça, bien, tu n'as pas, pas l'impression que quelqu'un… D'abord, tu mets ton signal, puis automatiquement, tu mets ton signal pour tourner à droite. Ben si ça fait un bruit, évidemment, il y a un véhicule qui est déjà dans ton exact, angle mort. Exact, exact. Non, non, tout est tout, là. Tout, tout est là, <laughs> tout est tout est là. là ça, va, ça va super bien. Fait que ouais. je te souhaite un bon retour. T'es bien gentil. Je te souhaite un bon retour. Euh, puis euh, tu me donneras le compte-rendu, comment ça a été, comment, tes... la, comment la route était, tout ça tu vas sûrement rencontrer beaucoup de plaques du Québec en montant. Ah, peut-être un peu tombe, moins dans là. le temps. Oui, mon... oh, mais il y en a, c'est pas mal fin mars, là. 21, mais jusqu du 21 Jusqu'à temps jusqu mars, que tu connectes vers la 81, ouais. le bout de la 95 en montant, tu vas sûrement rencontrer beaucoup de plaques du Québec, parce qu'il y en ouais. a plusieurs avec des campeurs de ça qui commencent beaucoup à monter. Là. Oui. Tu sais, on est le 10, 11, 12 avril, là, ouais. ça commence à monter. Là. Moi, là, mon livre à moi, c'est « Trop de bonheur ». Mais ils oui, sont obligés que... de remonter parce qu'ils sont arrivé plus de bonheur ici aussi. L'épisode 12, Mont... on l'a dit, là. Hey, oui. ça n'a pas de bon sens. Comment ce que le, le mois de avril et le mai sont extraordinaires en température et principalement cette année avec presque pas d'humidité? Très chaud, mais une pas. Une tonne d'activité. En plus, c'est là que ça commence. Bonne Alors, chance. Les sujets du podcast attirent votre attention. Euh, vous souhaitez participer de quelque manière que ce soit. Venez sur la page Facebook de la Florida, euh, la Florida euh, le podcast ou euh, Snowbird 2.0. Ce sera un plaisir, évidemment, de vous avoir à l'épisode numéro 13. Alors, c'est un plaisir. Merci, Carl Merci Martin. Et merci François Forget, Caméléon Productions. Et on se revoit à l'épisode suivant. Merci. merci.